Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts Final Mix. Et bien non, c'est pas tout à fait fini en fait. Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simplement parce qu'en fait je suis malade. Et je me voyais pas commencer Kingdom Hearts 2 en étant malade. Je me suis dit non, on va pas commencer un let's play comme ça, pas dans cet état. Donc du coup je me suis dit que c'est, comme on avait commencé à faire les boss, ça serait sympa de continuer à les faire. Donc du coup, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est que tout simplement ça n'a pas été sauvegardé. C'est-à-dire que je pensais que le combat de boss et l'XP qu'on en aurait gagné serait pris en compte. En fait, absolument pas. Ce qui veut dire que, du coup, on est reparti un petit peu presque à zéro, c'est-à-dire presque avant le combat. Sauf que j'ai farmé pendant grosso modo 1h30, histoire de faire des équipements, continuer à crafter des trucs, histoire de pouvoir peut-être se faire Ultima, enfin, grosso modo se faire le jeu au plus proche des 100% qu'on pourra. Et donc du coup, j'ai donc crafté la tire de cristal qui m'a l'air tout simplement, génialissime. Elle augmente les HP, les MP, les PC, l'attaque, la défense, et ça augmente l'efficacité des sorts et des invocations. En grosso modo, ça augmente tout. Donc là, du coup, je vais retirer, je pense, l'anneau d'artisan qui augmente juste les PC et la défense. Comme ça, du coup, avec la tire de cristal, on gagnera en plus, déjà, on gagnera encore de la défense. On gagnera pas plus de PC, mais on gagnera plus de HP. Donc pour se faire des boss, c'est tout ce qu'il nous faut, des HP. Est-ce que du coup, est-ce que j'aurais pas crafté un autre objet qui me donnerait plus de HP ou plus de défense? Je ne pense pas. Écoutez, je vérifie. Et puis non, pas du tout. Donc du coup, notre Sora là, je pense qu'il a le plus de HP qu'on puisse jamais lui filer. On pourrait lui mettre souvenir perdu pour augmenter un petit peu son attaque, mais voilà, tendre promesse, ça fait des coups critiques, ça augmente l'efficacité des sorts, donc pour ce qui sera de rafale et de soins, ça sera juste génialissime. Donc du coup, je pense que tendre promesse, c'est juste génial. Je regarde juste Lionheart, qui est très très belle. Je me souviens plus comment on l'avait... Est-ce que ce serait pas en battant Léon et Cloud, ça, je crois qu'on l'a obtenu. Donc ça augmente les MP de 1 point, l'efficacité des sorts et des invocations. Fait aussi le très bon dégât physique. Ouais, effectivement, elle fait 1 point de plus que Tendre Promesse. Elle augmente également les sorts et invocations. Au final, c'est une Tendre Promesse avec 1 point d'attaque en plus, mais elle fait pas de coup critique, j'ai l'impression. Enfin bref, écoutez, on est très très bien avec notre Tendre Promesse. Du coup, on va se faire le Titan de Glace, voilà, qui nous avait posé souci lors d'un live. J'espère le réussir du premier coup, personnellement. Donc là, vous voyez que j'ai pas mal de PC non utilisés, du coup. C'est tout simplement parce que les techniques, comme par exemple, mais Propagation, déjà, on s'en servira pas. Comme Ragnarok, je les enlève pour le combat, histoire de pas perdre de MP inutilement. Je vous rappelle que c'est vraiment de l'endurance face à ce Titan de Glace, puisque, il y a une grosse majorité du temps où on ne peut strictement rien faire. Donc du coup, je préfère garder un maximum de MP pour soigner Sora. D'ailleurs, en parlant de MP, on va retirer tout ça et on va juste mettre des éthers. Hop là, un éther. Oula, mince, on n'en aura pas assez. Est-ce qu'on n'a pas des... écoutez, on va se mettre des élixirs. Ouais, on va se mettre des élixirs. Non, pas un éther. Pardon, je veux prendre un élixir. Puisque les élixirs, en fait, on peut les looter sur certains mobs. Donc du coup, au final, on peut en utiliser quasiment autant qu'on veut. Alors, on va juste, voilà, finir de soigner les MP et les HP qui viennent gagner grâce au nouvel objet. Et on va donc parler à Phil. Et on va se faire le match d'or, qui est donc le combat contre le Titan de Glace. Donc, nous voilà face à ce titan. Je vous l'ai dit, c'est un combat qui sera très très difficile. Donc, on va se mettre face à lui, avec un bon angle de caméra, pour espérer lui renvoyer ça. Ok, donc là, maintenant, il va nous envoyer cette espèce de petit pic. On va se faire un petit rafale, histoire de pouvoir contourner, voilà, de diminuer un petit peu les dégâts qu'on va prendre. Allez, vas-y, envoie-nous ça. Ah non, ceux-là, je peux pas les parer. Enfin, je peux les parer, mais je les renvoie pas. Donc, ça sert un peu à rien. Vas-y, envoie-nous ce qu'on peut... Non, il n'a pas voulu nous envoyer ce qu'on peut parer.
Donc là, vous voyez que c'est vraiment un combat d'endurance. C'est juste, il faut tourner un petit peu en rond, attendre qu'on puisse lui renvoyer ses attaques. Ah, évidemment, là, évidemment, je me suis loupé. Il nous a envoyé un truc qu'on aurait pu parer. Mais j'étais en train de faire je sais plus quoi déjà, j'ai déjà oublié. Ce qui fait que du coup j'ai pas pu lui renvoyer. Alors là après ça normalement. Non, d'accord. J'aurais cru qu'on pourrait lui renvoyer encore des petits trucs. Donc on va se retourner. Comme ça lui ça va le forcer à se retourner également. Et vous voyez qu'on a déjà bouffé pas mal de MP. Donc ça va nous être très très utile tout ça. Alors hop, encore un petit rafale. Hop là. On esquive tranquillement, on tourne en rond, ah, évidemment. Ouais. Bon, quand est-ce que tu nous envoies les trucs qu'on peut te renvoyer, mon gros? Parce que là, c'est pas très fair-play hein, comme manière de jouer. Pour le moment, on peut rien faire. Hein. Parce que là, je pourrais essayer de sauter et de le toucher, mais ça servira à rien. Je vous le garantis. Évidemment, j'esquive les trucs que je devrais pouvoir lui envoyer, je me prends. Ah là là, ça va vraiment mettre du temps. Alors, on va utiliser un petit éther. Histoire de pouvoir se soigner en cas de problème. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ok. Non mais arrête avec cette technique, elle est chiante. Hop là. Allez, allez. Super, on a pu lui en renvoyer un. Oula. Donc vous voyez que sa barre de vie est très très longue, je vous rassure. Elle va diminuer un petit peu plus vite dès qu'on aura... Voilà, donc là heureusement on avait Rafale qui a permis d'automatiser un petit peu le retour à l'envoyeur, on va dire. Hop là, allez, encore un petit éther. Et je me rends compte qu'on va déjà... On va déjà entamer les élixirs. Et c'est quand même vachement long. Je me souvenais pas que c'était aussi long cette phase là. Mais je vous rassure, c'est la plus longue de mémoire. Évidemment, voilà, je me suis pris un pic juste au moment de parer. Voilà un petit soin, un deuxième. Hop là. Et comme je vous dis, c'est vraiment un combat d'endurance. Et là, je pense qu'on est très mal parti quand je vois le nombre d'éthers que j'ai déjà bouffé juste pour lui enlever ça de vie. Hop là, on esquive ça. Bon, je voulais lui renvoyer les trois petits pics, mais ça n'a pas fonctionné. Évidemment, je me soigne alors que j'ai quasiment toute ma vie. Quel idiot quand je vous dis que je gaspille. Allez, tu veux pas mourir, s'il te plaît? Enfin, ou au moins me laisser te tuer, te taper. Évidemment, je me loupe tout. C'est nul à chier. Rasus, concentre-toi. Ok. Là, élixir, il n'y a pas à chier. Voilà. Petite rafale. Allez, envoie-nous des petites piques là. Non, les petits. Les petits sont mieux. Les petits sont vachement mieux. Allez. Hop là, allez, on dépêche. Et on peut pas mourir. Retourne-toi. Petit rafale. Ah super, allez vite, là on s'active, on met Rafale et on l'attaque. Alors pourquoi Rafale? Je vous rappelle que ça permet de faire des dégâts au corps à corps. Juste en étant situé à proximité de l'adversaire. Punaise, on lui a enlevé que ça. C'est juste horrible. Wow. Là c'est un petit peu gangbang. Donc on va se retourner, on va lui tourner autour. Voilà.
Et évidemment, je me suis fait geler. Et j'ai pas pu lui renvoyer ça. Ok. Voilà, donc là on est dans la phase un petit peu plus rapide où on va pouvoir lui renvoyer tout un tas de trucs. Voilà. Donc là c'est vraiment la phase beaucoup plus sympathique puisque ça va beaucoup plus vite. Contrairement à avant où on avait... Ok, évidemment je me suis fait louper. Je me suis fait avoir. Ok. On a compris, t'es vénère. Ok, donc ça c'est la magie où il nous fait du glacier sur la tronche. Donc, pour un titan de classe, c'est plutôt logique. Hop, hop. Voilà. On esquive son espèce de souffle. On esquive ses boules de glace qui nous tombent dessus. Hop là. Donc ça c'est la phase que j'aime bien, c'est la phase où c'est assez régulier comme façon de faire. Voilà, on esquive. Je suis sûr que je pourrais optimiser un petit peu plus les pics de givre, les trucs comme ça. Mais je préfère assurer le coup, pas prendre trop de dégâts. Hop là, et donc là vous voyez que c'est vraiment avec les parades hein, qu'on va faire le plus de dégâts et pas en... Et pas comme ça. Non, c'est pas ça, vite, on se retourne. Allez, et là... J'aurais pu leur envoyer quelques pics, je me dis. Mais je pourrais aussi crever, hein. Ça, c'est une autre solution, ça, c'est une autre hypothèse. Tout à fait plausible. Évidemment. Ah, je me suis fait avoir. Hop là. Allez, là, on va se prendre les 3 cubes de glace. On va pouvoir lui renvoyer ça. Hop là, vite. Allez, on esquive. Et. On se prépare au petit objet comme il faut bien profiter du cire. Là j'ai vraiment cru que j'allais me prendre un pic de glace là au dernier moment. Allez. Allez, maintenant c'est bon, on peut reprendre notre pattern, j'allais dire. Hop là. Hop, on part. Alors on peut aussi parer hein, les espèces de blocs de givre qui nous spawnent sur la tronche. C'est juste que voilà, quand, je préfère pas avoir à parer trop de trucs à la fois. Je pense notamment à si il faut combiner les petits pics plus les blocs. Voilà, je préfère esquiver, prendre mon temps. Hop là. Nickel. Allez. Hop, ça arrive. Hop là, petit soin. On esquive tout ça. On esquive. Allez, les pics de glace, on va obligatoirement s'en prendre un. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Ah là là. Évidemment, c'est raté. Hop là, allez. On repart par ici. Hop là, et on est reparti par là-bas. Si Sora veut bien les toucher. Allez vite, on repart sur les tribunes pour être à peu près protégé. Wow. D'accord, donc là on est passé dans une troisième phase, les amis. Troisième phase qui sera beaucoup plus difficile que la première. Et que la deuxième, évidemment, ça score au fur et à mesure. Même si je pense que sur ce boss-là, la deuxième phase est plus simple que la première. Notamment parce qu'on a beaucoup plus de pics à renvoyer. On a vraiment l'impression de passer plus de temps à... Hop là. On a vraiment l'impression de passer plus de temps à
jouer qu'à attendre en fait. Raté. Hop là. Allez, il lui reste genre 2 barres de vie. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Il nous reste encore pas mal d'élixir. Là, j'étais trop près. J'étais trop près pour le gagner, je pense. Hop là. Hop là. Hop là. Et là. Non, non, pas de chaos, pas de chaos, s'il vous plaît. Hop là. Allez, on esquive. On repasse sur un jardin. On part, on part, on part. Ah là là, aïe 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 aïe. Ça fait vraiment mal et on peut pas l'esquiver. Ok, donc là ça y est, on y est dans la troisième phase du boss, c'est-à-dire sur ces deux dernières barres de vie. Je crois qu'il y a une quatrième, j'en suis pas sûr. Mais celle-ci est tout autrement plus difficile. Il va falloir trouver le moyen de parer. Tout en est. Wow. D'accord, déjà. Allez, on attaque. Allez, vite, on se retourne, parce que si on se met en face de lui, voilà ce qu'on va se prendre. Allez, tout se blessera. Heureusement, j'avais mis Rafale. Ce qui fait que du coup, on a pris un peu moins de dégâts que prévu. Hop là. Donc j'ai préféré esquiver la deuxième vague de 5. Hop là, voilà, de toute manière là on lui en renvoie quelques-uns. Hop. Ah, évidemment, j'avais pas anticipé. Alors là, faire gaffe, parce que s'il nous gèle avec ça, on est quasiment KO. Hein. Enfin, on a vu la vue qu'on avait, on était KO. Ah, j'ai plus assez de mana pour faire un rafale. Comme c'est dommage. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Allez vite, casse-toi de là, mon cher Sora. Soin, youpi. Allez, prochain truc qu'on fait, c'est-à-dire cet élixir. Hop là. Si on a besoin de se soigner, ce sera un élixir. Allez, 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 allez. Ça va le faire, ça va le faire. Allez vite, parce que c'est là parce qu'on est trop près pour parer. Ah, là ça arrive. Super, on a pu lui envoyer une vague de 5. Il va bientôt lui rester plus qu'une barre de vie, je crois que j'ai jamais été aussi loin. Alors, on va éviter de se faire prendre dans le coin, voilà. On va partir. Je pense que c'est le bon moment pour faire un élixir. Wow. Hop là. Hop là, je commence à avoir un petit peu le timing. Et évidemment, j'ai loupé les deux salves de 5 coups qu'on aurait pu faire. Alors je pense qu'on devrait pouvoir lui faire du brasier, du gravité, des trucs comme ça pour lui faire quelques petits dégâts. Mais c'est pas franchement ce que je préfère. Enfin, je veux dire, je préfère garder ma magie vraiment pour me soigner. Ce serait idiot de crever, quoi, tout simplement, juste pour essayer de lui lancer deux petits dégâts. Évidemment, j'étais toujours en train de courir. Donc là il va falloir que j'arrête de trop courir, hein, vraiment que je me concentre. Alors là il va me balancer deux séries de 5, hop, on lui en renvoie une. Super, allez, on est parti. Allez Sora, allez vite, et là on se met très vite derrière lui. Voilà, alors pourquoi derrière lui? Tout simplement pour éviter d'être pris en sandwich avec son espèce de super magie là. Alors, hop. Avec son espèce de super magie, j'entendais par là. Comme un Kamehameha en fait, comme quand il fait un Kamehameha. On se l'est pris une fois, je crois, durant cette vidéo. Hop là, et on tourne. C'est vraiment mauvais là. Là, la dernière barre est vraiment la plus difficile. Allez, on esquive ça, et on lui part ça. Voilà, on a pu lui en renvoyer 5, c'est cool.
Voilà, cette technique-là qu'il faut éviter de se prendre. Si on veut pas mourir. Alors. Là où cette dernière phase est vraiment très difficile, c'est que on a vraiment peu de... Enfin, on se fait attaquer sans cesse, mais on a peu d'occasion de lui renvoyer des dégâts. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu plus difficile que pour la première. Alors là, j'aimerais éviter de lui faire prendre en sandwich dans le coin, là. Vas-y, hop. Bah, évidemment. Évidemment, c'était pas beau. Je pensais qu'il allait mettre un petit peu plus de temps et qu'on aurait le temps d'atterrir pour lui renvoyer. Là, nous cacher des petits cercles. Super. On a réussi à lui renvoyer deux jeux. Une plus une moitié de une autre, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop, on va se faire un petit rafale, un petit soin. Et on bouge. Là, sinon. Hop là, alors on évite de se faire geler également parce que ça fait beaucoup de dégâts. Là, le Kamehameha. Là, typiquement, on pourrait lui balancer un brasier pour voir. D'accord, ça n'a rien fait. Je crois même pas que le brasier soit arrivé sur lui. Oula, j'ai failli aller vers là-bas. Ah là là, non, on va éviter de mourir là maintenant, ça serait un peu trop bête. Hop là, allez, il a plus beaucoup de vie, et nous on est plein de... Ouais, on a un élixir. Ah, allez, il a plus rien du tout là. Il a plus rien du tout. On se fait un petit rafale. Non, crève pas Sora. Heureusement, on était bon, on a pu s'esquiver. Hop là. Donc, du coup, pour ce boss, je conseille vraiment d'utiliser le plus de soins possible. Allez, hop, on va essayer de se faire un petit gravité si on peut. Allez, vite, casse-toi. Est-ce qu'il peut faire un petit brasier pour lui faire des dégâts? Non, j'ai pas l'impression. Hop, un petit éther, si jamais il faut se soigner. Allez, on va éviter de faire des bêtises. Comme ça exactement. Voilà. Allez, j'étais vraiment trop concentré pour essayer de lui faire j'essayais vraiment de lui infliger ce petit dégât par moi-même. Alors que, il suffit de faire ça, et ça y est, il est KO. Ça y est, on l'a battu. Eh bien écoutez les gens, du premier coup, pour cette session en tout cas. Alors, c'est vrai que j'avais passé un petit peu de temps également en live, mais c'est cool, c'est sympa de pouvoir y arriver du premier coup. Et voilà, donc on a obtenu une nouvelle Keyblade. Une Keyblade qui nous sera très pratique, alors pas forcément pour faire des boss, mais enfin une Keyblade qui me sera très pratique surtout parce que je pense pas faire sans vidéo. C'est une Keyblade qui augmente de 3 MP, les non-MP justement, même si elle a très peu d'attaque. C'est super pratique pour faire la chasse à un sans-cœur particulier. Je ne me souviens plus de son nom, enfin c'est un espèce de sans-cœur vert avec un chapeau rose. Et lui, il nous donne des objets en fonction du nombre de coups qu'on lui fait pendant la période où il est arrêté après qu'on lui ait lancé stop. Donc pour faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire on arrive sur le sans-cœur, on lui lance stop et on doit lui enchaîner le plus de coups possible durant le temps où il est bloqué. Sachant que stop dure de plus en plus longtemps en fonction de nos MP max, ce qui veut dire que plus on a de MP max, plus le sans-cœur va rester bloqué, plus on va pouvoir lui filer de coups, plus on aura de chance d'obtenir les objets qui peut nous livrer, et il me semble qu'il nous livre un équipement si jamais on réussit à lui infliger 100 coups durant cette période-là. Alors pour ça, il nous faudra sans doute Stop X et d'autres objets qui augmentent encore les MP. Mais en tout cas, c'est toujours cool d'avoir Gemme de Glace,
Et puis voilà, c'est toujours cool d'avoir battu un boss. Donc écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Alors j'aurais sans doute coupé ça, ou alors j'aurais fait des petits accélérés, des petits trucs comme ça. Enfin bref, pour éviter que vous vous endormiez durant des passages où je parle pas, où j'ai... Enfin bref. Vous l'aurez bien vu en tout cas. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que ce ne soit pas Kingdom Hearts 2. Je sais pas si on va pouvoir commencer ça pour le pour vendredi, du coup. Mais normalement, on devrait pouvoir attaquer ça au moins la semaine prochaine. Surtout que la semaine prochaine, je serai en vacances, donc je pourrai prendre le temps de bien faire le petit travail qui va avec ce début de let's play. Et puis voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Bye.